Hein, regardez comme il est mignon celui-là. Regardez, oh là là. Regardez-le. Comme il est trop mignon. Regardez, voilà. Tirez vite, mais vite. J'aime pas trop souffrir. Vite, tirez, mais vite. Oui, de trop souffrir. Tirez vite, mais vite. Tirez! Je ne sais même pas qui je suis, ce que je fais, ce que je veux. Je voudrais que l'on m'ait permis de pouvoir naître entre les deux. Je n'arrive pas à choisir entre les mâles et les femelles. Je suis brûlé par le désir de tailler dans la partie belle. Je suis un homme, socialement y a pas d'équivoque. Un vrai fiscal, je suis dans la norme, mais je sais pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Mon apparence est un mystère dont je ne connais les raisons. Qu'avez-vous fait de moi, ma mère? Mon intérieur est si profond. Regardez mes petites chaussures, elles sont jolies, on dirait des sandales. Très jolies, les sandales. Ouais, on dirait des sandales. Exactement. On glisse, c'est pour que. Je veux pas qu'on me lèche les pieds, mais quand même. Mais il y a des cochons partout. Comment ça vient d'où, cette folie du cochon? Bah, c'est ma collection, vous la connaissez pas, ma grande collection. Attends, je vais vous le faire marcher celui-là. Attendez, je vais poser le micro, parce qu'on en a pas besoin, là. Hein, regardez comme il est mignon celui-là. Regardez, oh là là. Regardez-le. Comme il est trop mignon. Regardez, voilà. Voilà, attends, oh, bah, alors je ne l'ai pas assez remonté. Hein. Voilà. Allez, il y en a un là sur la bague aussi. Oh, bah, là, une bague un, cochon. C'est pas un cochon, là, c'est un solitaire. Ah, hein. Oui. Vous savez, c'est un de mes solitaires. Hein. Ça, parce que c'est un sanglier. Regardez, même le museau bouge. Oui, c'est vrai. Si vous venez dans ma loge, vous verrez qu'il y en a pas mal. Vous savez pourquoi? Parce que ici, je vais faire au Théâtre 13 une exposition de cochons. Mais ça vient d'où? Ça vient d'il y a très longtemps. On me disait que j'avais un caractère de cochon, que je mangeais comme un cochon, que j'étais un gros cochon. Donc voilà, on a commencé à m'offrir des cochons. Et puis je me suis familiarisé avec cet animal qui est très, très un des plus proches de l'homme, sensuel, intelligent et drôle aussi. Donc j'essaie de me rapprocher de lui, en fait. C'est dans ce sens-là que ça marche. Voilà. Est-ce que vous êtes un gros cochon? Oui, bien sûr. Hein? Ouais, puis plus on vieillit, plus on est un gros cochon. On va la voir, cette loge, alors? Je vous emmène. Hein? Bah oui, maintenant, je... Bah, écoutez, maintenant, ça y est, je suis tout émoustillé devant les cochons. Attendez, venez. Bon, monsieur Février, à plus tard, alors. Au revoir. Attention à mes objets, hein. Celui-là, il est très beau, il est africain. Tout à l'heure, vous l'avez vu, c'est un très beau... Alors, évidemment, je suis un peu handicapé, parce que je n'ai qu'une seule vue, c'est par le museau, par le groin, quand je le mets, mais c'est un très beau masque africain. Tenez, venez, suivez-moi, dans les couloirs. C'est moins chic, hein, les couloirs, quand même, vous savez. Là, c'est moins rouge, quoi. C'est moins rouge et or que ce que j'ai fait sur la scène. C'est beau, la scène, hein. Regardez le bordel. Voilà. Aïe. Attendez, je vais m'asseoir derrière. Vous allez voir, comme si... Aïe, on ne peut pas l'ouvrir. Attendez, je vais vous laisser rentrer. Attendez, regardez. Oh, voilà. Poussez la porte, là, vous pouvez.
Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.